Hey, salut, Noctis. Il est où, Ignis? Il devrait pas tarder à revenir. Il y a un problème? C'est à la une de tous les journaux. Quoi donc? Insomnia s'est effondré. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'expliquer, Noct. Calme-toi. Me calmer, je peux pas être plus calme que ça! Voilà ce qui se passe. Le Niflheim nous a menti. Il a attaqué la capitale. La nuit dernière, la cérémonie du traité a viré au chaos. Quand la fumée des explosions s'est enfin dissipée, on a retrouvé le roi mort. Non, c'est pas possible. Le fait est qu'on ne pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir quoi, hein? Qu'il devait signer le traité hier. Qu'Insomnia allait être... C'est n'importe quoi! On devait aller à Altissia! Je le sais très bien. Pourtant, les nouvelles de l'invasion sont unanimes. Les journaux ne peuvent pas tous se tromper. Non. Je rêve ou quoi? Si seulement. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Alors on pourra en être sûr qu'en vérifiant nous-mêmes. Dans ce cas-là, faut qu'on retourne à Insomnia. Mauvaise idée, ça pourrait être dangereux. Ici aussi, ça peut être dangereux. On y va? J'espère que tout le monde va bien. Tu peux toujours espérer. Ne perds pas la foi. Sérieux? Parce que la foi peut arrêter des croiseurs impériaux? Calme-toi. Mon père en avait de la foi à revendre. Arrête. L'Empire a menti. Il nous a trahis. Les conjectures ne mènent à rien. On cherche la vérité. On n'aura que des mensonges. Comme cet armistice. Vous avez vu la taille de ces trucs? Ce sont des vaisseaux de l'Empire. Transport de troupes. Plus exactement, de soldats Magitech. Tu parles de robots? Oui. Ce sont des armes humanoïdes, fabriquées en série. Vous êtes sûr qu'ils s'apprêtent à signer un traité de paix, là? Hé, regardez! Les soldats ont installé un checkpoint. Si cette route est bloquée, faut en trouver une autre. Faisons un petit détour. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Les soldats de l'armée impériale, ça vous dit de les dégommer? Oh, ces boîtes de conserve. Ils vont regretter de pas avoir un traité de paix. Yeah!
Derrière, là où on va. En montant sur la colline, on aura une vue plus globale. Les deux nations ont été interrompues suite aux événements survenus dans la capitale. En outre, après la triste annonce du décès du roi Régis, nous apprenons maintenant que le prince Noctis et Dame Lunafreya de Tenebrae ont également perdu la vie dans des circonstances encore inexplicables. Allume ça ! Pardon ! C'est pas la peine. Oui, allô ? Cor, c'est toi ? Tu es vivant. Voilà qui me rassure. Mais c'est quoi ce bordel ? Où est-ce que vous êtes ? On est près d'Insomnia. On peut pas rentrer ! Normal. Normal ? T'es sérieux, là ? Tu trouves que tout ça est normal ? Qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant ? Où est mon père ? Et Luna ? Et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort ? C'est normal, ça ? Calme-toi. Je me prépare pour me rendre à Amered. Hein ? Pour ton père. C'est la vérité. Je te raconterai tout quand on se reverra. Mais je suis Insomnia. À plus tard. Ouais. Alors, Noctis, qu'a-t-il dit ? Qu'il s'apprêtait à aller à Amered.
J'imagine que la garde royale est plus en faction. Ouais. En l'absence du maréchal, ils ne sont plus opérationnels. Oh. Je me demande bien ce qui se passe en ville. Nous devrions bientôt avoir des informations. Ouais, ils vont forcément en parler à la radio. Mais et nous, alors? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on rejoint Amored. Et on décidera là-bas. J'ai eu un message de ma sœur. Elle va à l'Estaloum avec d'autres réfugiés. Bon, au moins Iris va bien. Ouais. Mais tout le monde a peut-être pas eu cette chance. Allez, ne perdons pas de temps. Nocte ne sera pas mort éternellement. Le long voyage qui t'attend. Et sans retour. Sans retour. On y va. Salut. Contente de vous voir. C'est pas un temps à sortir, je vous le dis. Merci bien. Où est Cor? Il est parti faire un truc. Après avoir longuement parlé à papy. Ah ouais? Ouais, le patron se ronge les sangs depuis qu'il a appris que vous veniez. Mais vous, vous laissez pas abattre. L'Empire voulait s'emparer du cristal et de l'anneau du roi depuis le début. Les pourparlers de paix n'étaient qu'un sombre prétexte. Quand je pense qui s'est laissé berner. Des foutaises. Ton père était pas né de la dernière pluie, c'est moi qui te le dis. Le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Il a vu venir le coup à des kilomètres et il était bien décidé à se battre. Malheureusement, il avait beau être préparé au pire, au final, ça n'a pas suffi à lui sauver la peau. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à aller voir Cor. Moi, j'ai assez parlé. J'ai pas vu Régis depuis des lustres, ça paraît tellement loin tout ça. Cor vous a laissé un message. Il a dit qu'il vous attendrait au tombeau royal. Vous devriez pas avoir de mal à le repérer. C'est au nord-ouest d'ici, pas loin d'un village. Essayez de le trouver d'abord. Ils doivent contrôler les allées et venues. À votre avis, comment c'est en ville? Je sais pas. Je préfère pas imaginer. T'inquiète, on y retournera bien un jour. Sans doute. La question est de savoir quand. J'arrive pas à croire qu'on ait perdu le cristal. Ces salauds ont tout pris. Et on va tout reprendre. C'est très loin d'être fini.
C'est sans doute le village dont parlait Sid. Ça me fait penser à un repère de chasseurs. Ils peuvent peut-être nous donner des infos. Le vieux grincheux me fait flipper et j'ai rien à revendre, mais si je vois pas Cindy bientôt, je sais pas ce que je vais devenir, moi. Non, mais... Ce que je peux faire, c'est terrible. Aux quatre coins du royaume, les habitants déposent des bouquets de fleurs de cils de ténébraille. À Alticia, les rassemblements se multiplient pour rendre hommage à la jeune disparue. En l'absence du corps de Dame Luna Freya, la robe de mariage qu'elle n'a jamais portée est devenue une sorte de relique. Certains refusent toujours de croire au décès de l'oracle. Pourtant, aucun démenti officiel ne nous est parvenu. C'est quoi cette marque? J'ai pas l'impression d'avoir fait ça, moi. Heureuse de vous voir sain et sauf, Majesté. Monica, mais où sont les autres? La plupart des soldats n'ont pas survécu. Nous n'avons pu qu'escorter Mademoiselle Iris hors d'Insomnia. Dustin se trouve auprès d'elle. Ils ne tarderont pas à rejoindre l'Estaloum. Je vois. Je vous remercie. Faites vite. Le maréchal vous attend au tombeau royal. S'arrête jamais. D'abord Insomnia, ensuite Hammerhead, puis le tombeau royal. On aurait dû l'appeler Kor l'Infatigable. Eh, mais c'est pas aussi accrocheur que Kor l'Immortel. Survivre à Insomnia a encore étoffé sa légende. Ouais, la chance lui sourit toujours. Mais, ah bon? Il n'a pas besoin de chance. Tu m'étonnes. T'imagines quand même pas qu'il est sorti vivant de tous ces combats par hasard. Pourquoi Kor a choisi le tombeau royal? Une curiosité morbide pour les anciens rois de Lucis. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est ici. Wow, sacrément royal ce tombeau. Entrons pour trouver le maréchal. Maréchal. Tu en as mis du temps, Noctis. Bon alors, qu'est-ce que je suis censé faire au juste ? Tu dois entrer en contact avec le roi défunt. C'est comme ça que le pouvoir se transmet. Cette épée est le vaisseau de son âme. Revendique son pouvoir. C'est ton devoir de roi. Mon devoir, mais mon devoir de roi de quoi? Il serait temps que tu prennes conscience de ta position. En tant que roi, tu te dois de protéger ton peuple. Ah ouais? T'aurais dû dire ça à mon père. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est protéger son propre fils. Noctis, jusqu'à quand joueras-tu au prince indolent? Tu es le roi. Il t'a confié cette responsabilité. Il me l'a confié, tu dis? Alors pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé? Il souriait quand on s'est dit au revoir! Pourquoi? Pourquoi il m'a pas dit ce qui se passait? Ce jour-là, ce n'est pas en tant que roi, mais en tant que père,
qu'il voulait passer un dernier moment avec toi. Il avait la foi. Il croyait en toi, le nouveau roi. Il savait qu'il pouvait te confier son peuple. Il m'a pas vraiment laissé le choix. C'est l'un des pouvoirs de tes ancêtres. Tu en es le digne héritier.